parce que pour assister à un séminaire de cet acabit, vous avez été choisi parmi les quatre les plus performants. Donc nous souhaiterions que demain et après-demain, après ce séminaire, vous poursuiviez dans cette performance-là. Mais pour prendre véritablement la parole, c'est un bien plaisir pour moi de présider cette cérémonie d'ouverture de ce séminaire, dont vous connaissez tous le thème, exécution du budget dans un cadre de gestion axé sur les résultats et de responsabilisation des acteurs. Comme généralement, dans ce genre de séminaire, il s'agira d'acquérir de nouvelles connaissances, tirer les leçons de l'implantation des instruments de la gestion axée sur les résultats. Une fois encore, on parle de résultats. Il s'agit donc d'être performant, mais également de maîtriser les outils de gestion souples propres à contribuer à la facilitation et à la compréhension entre les acteurs de la chaîne budgétaire afin de conduire à une bonne gouvernance et organiser les élaborations du budget et le suivi financier dans la gestion publique. Ce n'est pas mauvais de copier ce qui est bien. Nous copions généralement ce qui se fait en France. En 2001, les finances publiques françaises ont eu beaucoup de difficultés. Parce que la France également était empêtrée comme nous dans un budget de moyens. Alors, la performance suppose la recherche d'une plus grande efficacité dans la gestion budgétaire. Il y a une chaîne logique, il y a l'enchaînement logique de la performance. Nous allons voir l'enchaînement logique plus loin. Parce que nous avons des objectifs, nous avons des moyens, nous définissons les finalités et nous avons la mesure de la performance.